أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Dans cette vidéo, nous allons renseigner les valeurs des populations de chaque région du Niger. Et nous avons ici dans la table attributaire des régions, donc les champs superficiels qui n'est pas, les champs population en 2021 qui n'est pas renseigné, de même que au niveau de limite d'État. Donc, la population n'est pas renseignée. Et comme source d'information, nous disposons du rapport général et du résultat, du rapport général de la présentation des résultats du Globo du recensement, et, voilà, du 4e recensement général de la population et de l'habitat, RGPH de 2012. Donc, dans ces documents, nous pouvons avoir la superficie de chaque région, par exemple, à commencer par, disons, nous pouvons avoir la population de chaque région, par exemple, celle d'Agadez. Donc, nous avons une population totale de 487 620 habitants. Donc, pour les cas de la région de d'Ifa, donc nous avons une population de 593 821 habitants. Et ces fichiers PDF du rapport général du recensement se trouvent dans les sous-dossiers RGPH 2012. Donc, voici les PDF. Maintenant, nous allons créer un fichier Excel. Nous allons créer un fichier Excel et dans lequel nous allons saisir les populations en 2012. Par la suite, nous allons appliquer une formule de projection de la population jusqu'à 2021 en tenant compte du taux d'accroissement de la population au Niger afin d'estimer la population en 2021. Donc nous allons l'appeler population du Niger. Population du Niger. Voilà, donc nous allons l'ouvrir avec LibreOffice. Voilà, donc nous allons créer notre tableau. Ici nous avons le nom de la région. Et ici nous avons la population en 2012. En 2012. Par la suite, la population en 2021 sera estimée. Voilà, donc nous allons saisir le nom des régions. Agadez, Difa, Dosso, Maradi, Niamey, Tawa, Tillabéri et enfin Zender. Donc nous allons renseigner les populations. Donc à commencer par exemple par Agadez. Voilà, donc la population d'Agadez est de 487 620 habitants. Collé. Donc nous allons supprimer l'espace. Voilà, et nous allons copier-coller la population de chaque région. Donc, nous avons saisi la population de chaque région, donc Agadez jusqu'à Zender, et nous avons fait le total. Et à présent, nous allons appliquer la formule de projection de la population et de 2012 à 2021. Cette formule se présente comme suit. Donc, population pour un certain nombre d'années à partir d'une année de référence est égal à la population de l'année de référence, POP 0 multiplié par 1 plus le taux d'accroissement à la puissance n. Donc avec POP n, population pour l'année n, compté un nombre d'années après l'année de référence, POP 0, population de l'année de référence, pour notre cas ce sera 2012, t, le taux de croissance, et le n, le nombre d'années de différence. Donc nous pouvons déjà enseigner les différentes valeurs. Donc, pour notre cas, on a POP 0
POP 0, c'est la population de 2012. Donc, ce n'est pas la valeur de la population parce que nous avons déjà et donc, la valeur de les fichiers Excel. Le taux T, donc, je pense qu'au Niger, nous avons un taux d'environ 3,4%. Et ce qui fait 0,034. Et notre année considérée est 2021. Donc, en faisant la différence, nous aurons N égale à 2021 moins 2012. C'est égal à 2021 moins 2012, ça va donner. Et 2021 moins 2012, ça va donner 9 ans. Donc, nous allons faire la projection de la population sur 9 ans. Donc, nous avons les taux d'accroissement égal à 0,034%. Et nous avons 3,4%. Nous avons le nombre N égal à 9. Et POP 0 sera la population de 2012. Et POP N, ce sera la population de 2021. Donc, nous allons venir dans Excel pour programmer notre formule. Donc, nous aurons, disons, LibreOffice, donc, population en 2012, et tout, donc, entre parenthèses, selon la formule, nous avons 1 plus le taux d'accroissement. 1 plus 0,034. Donc le tout à la puissance. Bon, nous pouvons par exemple utiliser la fonction puissance. La fonction puissance. Voilà, la fonction puissance. Donc nous allons ouvrir la parenthèse. Donc la puissance, virgule, la puissance, point virgule, et nous allons maintenant écrire 9. Et nous faisons entrée. Donc nous aurons la formule telle, donc la population en 2012, B2, le tout multiplié par... Et 1 plus le taux qui est égal à 0,034, le tout à la puissance 9. Donc, nous allons copier la formule et nous allons réduire le nombre de chiffres. Après la virgule, nous pouvons même déjà arrondir par excès. Donc, là, nous venons de projeter la population de chaque région de 2012 à 2021. Et nous avons aussi projeté toute la population du Niger jusqu'à 2021. Donc, ce qui nous donne une estimation de 23 155 966. Pour la région d'Agadez, nous aurons 658 819 habitants. Nous allons maintenant procéder à la copie de ces valeurs au niveau de notre table attributaire de base de données. Donc, nous allons ouvrir la session de mise à jour. Voilà. Bon, c'est un avertissement qui nous dit que le système de coordonnées n'est pas celui, et le système de coordonnées du bloc de données n'est pas celui, en fait, des sources de données. Donc, nous allons renseigner les populations une à une. Et nous allons faire les tri comme dans les fichiers et dans les tableurs de LibreOffice. Donc, Agadez en haut avec Zender en dessous. Donc, nous allons commencer à copier les valeurs une à une. Donc, voilà. Coller. Ensuite, pour le DIFA, copier, coller. Nous pouvons aussi faire la saisie directement parce que les champs sont éditables. Voilà. Donc, ensuite vient Dosso, qui a 2 075 000, 2 753 131 habitants. Voilà. Donc, continuer jusqu'à arriver à la région du...
des Indes. Voilà, donc pour la région des Indes, nous aurons 4 782 546. Le total sera copié au niveau de la table attributaire des limites d'État. Voilà, population 2021 du Niger, 23 315 966 habitants. Enregistrer les mises à jour. C'est tout, je vous remercie.